Début de semaine sous la grisaille, là, partout à travers le Québec. Bon, il y aura quelques éclaircies ce matin du côté de Montréal et Québec. Cet après-midi, du côté de Trois-Rivières, Sherbrooke, en allant vers Rimouski. Aujourd'hui, des flocons de prévus à la grandeur de la province. Mis à part là, pour la région de Montréal, la Montérégie, l'Outaouais en après-midi, ce sera plutôt des gouttelettes. Et tout ce que vous voyez en bleu, c'est de la neige. Neige fondante ce matin pour Sept-Îles et Gaspé, mais du côté de l'Abitibi, du Témiscamingue, c'est de la neige même soutenue par moments, surtout en matinée. Ça va gagner les secteurs justement de Tremblant, Mont-Laurier en allant vers Saguenay, surtout en après-midi. Donc, par moment, là, sur les routes surtout, la visibilité peut être nulle. Il y a des forts vents, de la forte neige. Bref, il faudra être prudent sur les routes. C'est un front froid hein, qui balaye le Québec, donc c'est pas chaud aujourd'hui. Demain, même scénario. Mardi même, ce sera la journée la plus froide de la semaine. Mercredi, ça s'améliore. Il y aura une bonne part de soleil et les isobars sont plutôt rapprochés. Donc, mercredi, des bons vents de 20 à 40 km à l'heure. Le soleil sera présent, mis à part le local du côté de Saguenay, en allant vers Cap-Chat, avec les vents, l'air froid, on pourrait aller chercher là, quelques petits flocons à 40 %. Jeudi, belle journée, un peu d'instabilité du côté de la Côte-Nord avec un 40 % de probabilité d'averse. Ça se réchauffe, c'est la bonne nouvelle jeudi et vendredi. C'est le retour des nuages pour l'Abitibi, le Témiscamingue, en allant vers le Saguenay et ce sera de la faible neige intermittente. Côté température, gardez mercredi, c'est frais. La bonne nouvelle, c'est que jeudi, ça se réchauffe partout.